Je suis aujourd'hui sur la commune de Vittel avec Christophe Alexandre, conseiller municipal de Bainville-aux-Saules, où nous avons participé à la manifestation contre la fermeture des urgences de Vittel qui fait suite à la loi Rist. Alors aujourd'hui c'est une fermeture temporaire, mais qui pourrait demain devenir une fermeture définitive si l'application de cette loi devait continuer, si elle devait perdurer dans le temps. C'est carrément nos hôpitaux de proximité qui seraient en danger. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on déshabille l'hôpital de Vittel au profit de l'hôpital de Neufchâteau. C'est des hôpitaux de proximité qui sont complémentaires. Donc, j'ai tenu à être présent aujourd'hui à cette manifestation où, par ailleurs, on peut souligner que le député LR sortant et actuel, Jean-Jacques Gauthier, s'est fait copieusement huer lors de sa prise de parole parce qu'il faut rappeler que En 2021, au moment du vote de la loi Rist, il n'était pas présent à l'Assemblée nationale, il n'a pas participé. Alors il peut aujourd'hui se dire opposé à cette loi et en parler dans la presse si ses actes à Paris n'ont pas suivi. Il n'a pas forcément la légitimité pour aujourd'hui intervenir, parler de cette loi et de ses conséquences pour cet hôpital et pour nos territoires qui seront très durement impacté. Donc ce que nous souhaitons, nous, au Rassemblement national, c'est l'abrogation de cette loi Rist, ou en tout cas sa non-application immédiate, parce qu'il en va de la survie de nos hôpitaux de proximité.